Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette magnifique journée légèrement ventue. Il fait frais et nous allons aborder donc pour le compte de l'Heritage World Cup tous les éléments qui vont être essentiels à votre réussite lorsque vous serez en compétition au putting. Oui. Là clairement on a décidé d'essayer de vous parler des éléments qui vont être essentiels demain à votre réussite sur le parcours en disant demain. Je dois rendre la carte de ma vie. Voilà les éléments qui vont être utiles pour arriver à le faire. Donc Flo va faire le cobaye toute la partie. Ouais. Vraiment pas de bol. Moi je vais tchatcher parce que je sais faire que ça. Non, c'est pas vrai. On va vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on a mis trois situations qui sont assez parlantes. Déjà la situation en elle-même. Flo, on voit qu'il y a un green qui est immense. Ouais. On a un drapeau qui est tout là-bas, là-bas, tout là-bas. Clairement, on va vous montrer ça de plus proche. Alors soit on reste tout en selfie. Soit on se met dans l'autre sens. On fait quoi ? Dans l'autre sens quand même. Dans l'autre sens. Comme ça, vous m'entendrez derrière. Moi, je vais faire des petits trucs tu avec mon doigt. Ne pas avoir mal au bras. Coucou, aussi, et je pourrais le tenir davantage. Allez, c'est parti. Donc, on se retrouve dans ce sens-là. On voit Flo qui est en train de se préparer à jouer, puisque malheureusement, parmi les trois joueurs qui sont sur le green, c'est à Flo de jouer au premier. Donc, il a un putt sur la première situation qui fait plus de 20 mètres. Mm. Clairement, c'est très mignon. On a trois balles, vous voyez. Donc, une balle à plus de 20, voilà, allez, on va dire une vingtaine de mètres du drapeau, 5 mètres tout au bout, je vais enlever mon doigt, hop là, 5 mètres tout au bout là-bas, et enfin un bon 2 mètres en montée, histoire de faire tout ça. Donc Flo, comment toi tu abordes les choses déjà direct comme ça là? Quand on arrive sur un green, déjà l'idée c'est de dire on place bien son sac pour le trou d'après. Exact, donc le sac doit être placé entre le drapeau de préférence et le départ du trou d'après, donc c'est-à-dire plutôt sur la partie droite ici, sauf s'il est protégé, auquel cas faites bien le tour. Ou sauf si on doit se dépêcher, c'est à nous de jouer, quitte à ce qu'on le bouge ensuite quoi. Prenez deux clubs, vous prenez un tee, vous placez le deuxième entre la sortie et le départ, comme ça vous l'oublierez pas. C'est n'importe quoi. Eh ouais, c'est neuf, mais c'est comme ça. Non, dans l'idée, c'est qu'on arrive sur un green, on a un certain temps imparti, entre guillemets, de routine avec tout le monde, en fait. Hein. Mm-hmm. On ne doit pas passer non plus trois plombes, on doit se dépêcher de prendre des informations. Donc, en fait, il faut organiser ses affaires. Donc, c'est pour ça qu'on place le sac. Et on essaye au maximum d'ouvrir le regard pour regarder vraiment les pentes et la topographie du green en général. Évidemment, si on a un pote long, il va falloir regarder beaucoup plus de choses que si on a un pote court. Donc, on se focus plus grand lorsqu'on est plus loin. Lorsqu'on a cette distance-là, j'aime bien regarder le putt sous des angles où je vais vraiment prendre de l'espace. Je peux même en profiter quand j'emmène mon sac pour regarder déjà quoi. Ok, donc là Flo va se préparer. Donc là, ce qui est très intéressant, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sortir du green et en fait, au lieu de se focaliser uniquement, comme on peut le voir très souvent, sur l'aspect balle-trou, lui, il est plutôt en train d'observer non pas le fuselage de l'avion, mais plutôt, on va dire, les ailes sur les côtés, en essayant de prendre un maximum d'informations. Et sur des très longs putts comme ça, on voit qu'il il se met carrément au milieu du putt pour essayer de diviser le putt en deux. Ce qui est très important pour l'observation des lignes de putt, c'est de vraiment faire très attention sur l'angulation du regard. Le meilleur moyen de voir une pente, c'est avec un degré, on va dire, plongeant d'à peu près 45 degrés. Donc, lorsque vous baissez, c'est bien, mais le problème, c'est que sur des putts très longs, en fait, vous n'aurez plus cette notion de profondeur, et c'est pour ça qu'on a autant de mal à gérer les putts à plus de 10 mètres de cette manière. Donc, Flo prend énormément de temps, non pas pour jouer, mais pour topographier le terrain, parce que toutes les informations, en fait, vont lui permettre de trouver le bon dosage pour la suite. Donc, un petit coup d'œil aussi ici pour voir par rapport à ce qu'il a vu à mi-distance. Il va y avoir des coups d'essai, donc vous voyez que pour rechercher la distance, il est en train de faire quoi? Il est en train de regarder ce qui se passe vers le drapeau pour trouver le dosage. Il n'est pas en train de regarder sa balle, donc il a une image claire en fait de là où est la cible, et c'est ce qui va lui permettre par la suite de ressentir le dosage. Donc, un petit coup d'œil ici, vers le point qu'il vise, et ensuite, il la putte. Donc elle sort plus à droite que ce qu'il ne pensait à mon avis. Mais on a des grosses difficultés par rapport aussi à la rosée, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. J'ai envie de la refaire, mais direct quoi. Direct. C'est horrible de faire un putt pareil. Allez, c'est parti, putt de Flo, ok. Il faut mettre une charge en fait. Il faut mettre une charge, et même en mettant la charge, cette fois-ci, elle se met à rouler. Ok. Trop compliqué ce putt. Très compliqué. Alors, vous les voyez, hein, les greens ont été entretenus, donc ça c'est génial. Il y a eu donc un travail qui a été fait sur les greens. C'est pour ça que là, sur les putts de cette taille-là, clairement, on doit impérativement baisser le niveau d'exigence.
On va se focaliser cette fois-ci sur le putt de 5 mètres. Donc c'est un putt pour le coup en descente. Donc là, Flo est en train de nouveau de prendre les informations. Ça va prendre du temps encore, mais normalement, ça, si j'étais un autre joueur, je serais déjà en train Donc, j'aurais fait ça pendant que le premier l'aurait fait aussi. Exactement. Ça, c'est l'avantage quand vous jouez à plusieurs, vous avez le temps. Donc là, Flo, quelle est ta priorité ? Le dosage pour me mettre vraiment pas loin si jamais je la rate, mais me laisser quand même une chance de la rentrer. Donc, je vais l'imaginer rentrer, mais doucement. D'accord. Oh, c'est solide. C'est un très bon putt. C'est un très bon putt. Donc, vous voyez, c'est même laissé une chance. Très intéressant dans le sens où il se laisse même un petit putt en montée. Donc, plutôt de très bonnes choses pour la suite. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, les amis, gardez toujours à l'esprit que tous les putts ne sont pas forcément rentrables. Il peut y avoir quelquefois des petites aspérités sur le green, surtout quand il y a un travail récent au niveau des greens. Il peut y avoir justement aussi des contre-pentes, c'est-à-dire que tous les putts ne sont pas forcément rentrables. On n'est pas sur une surface totalement lisse, ce qui peut venir embêter. Tiens, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'a fait Flo ? Il nous a retiré le drapeau. Pour quelle raison ? Parce que c'est beaucoup plus simple de l'imaginer dans le trou quand le drapeau est enlevé. Il est vraiment gros en fait. D'accord. Donc ça me donne l'impression que la cible est plus grande. Ok. Voilà. Donc la target est intéressante. Donc là, on va observer de près le putt de Flo. Donc ta priorité là-dessus, c'est quoi ? Comme d'hab, c'est déterminer une pente, imaginer la balle rentrer avec un certain dosage, et ensuite essayer de faire coller tout ça au moment où je vais jouer. Donc quand je fais les coups d'essai, c'est super important de visualiser la balle en train de rouler. Je me focalise vraiment sur un point de passage, moi, qui va se situer à peu près vers là. D'accord. Je l'imagine arriver avec une certaine vitesse sur ce point de passage pour ensuite arriver vers le trou. D'accord, très bien. C'est-à-dire que je préfère passer par un point de passage avec pas mal de roule, d'accord, plutôt que de l'imaginer arriver vers le trou et tomber. Ok, voilà. Tu le visualises mieux. Ok, intéressant. C'est-à-dire que comme le long putt, en fait, je scinde même un petit putt, quoi. Ok. Donc vous voyez, chacun après a sa façon de procéder. Certaines personnes vont plus se focaliser sur une vitesse de rentrée dans le trou, d'autres vont visualiser le point derrière. Oh ! Comment elle n'est pas rentrée celle-là ? Ça reste un très bon putt en termes de dosage. Elle arrive en mourant dans le trou. Ok, donc elle a pas fait la même chose. C'est plus facile avec les deuxièmes. Tu joues en scramble. Donc ce qui était aussi intéressant, je sais pas si vous avez pu voir, la vitesse de rentrée de la balle dans le trou de Flo. Elle est venue rentrer dans le trou sans forcément taper le bord opposé. Flo, est-ce que tu vas emmener le même dosage sur le parcours le matin et l'après-midi, par exemple ? Pas nécessairement. Après, si on... Normalement, le matin, ben là, il y a de la rosée un peu, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément rasé le green ou alors très tôt ce matin. En tout cas, la rosée s'est mise par-dessus, donc ça doit être pris en compte. L'après-midi, souvent, les greens ont poussé ou alors se sont asséchés s'il y a du vent et qu'il fait très chaud. Donc, ça va vraiment évoluer du matin à l'après-midi, même au fur et à mesure d'une partie, ça peut évoluer. Et donc, voilà, après, logiquement, quand on est sur la partie à l'instant T, les trous se suivent, etc. Donc, si on prête attention, il faut faire attention à ne pas se rappeler un peu du début qui avait bien fonctionné pour le refaire à la fin. Si ça a changé, il faut essayer de suivre le flow. Quoi. Ouais, il faut suivre le flow. Ouais, voilà. Un bon. Tout petit élément qui est intéressant. Fin de journée, ça dépend si vous avez eu du monde. Si ça en shotgun, ça va s'affiner au fur et à mesure. Si par contre vous partez dans les derniers départs en fin de journée, sachez une petite chose, c'est que lorsque les joueurs en fait visent les trous d'une manière générale, magnifique, le dosage est parfait. Lorsque les joueurs en fait viennent pour ramasser les balles, bah, vous allez voir donc quand Flo va aller récupérer les balles. Donc vas-y, récupère les balles. Donc, ouais. Bougez pas, hop là, bouge pas ton pied. N'oubliez pas une petite chose, c'est que toutes les personnes, lorsqu'ils vont ramasser les balles, vont venir piétiner à une certaine distance du trou, en fait. Et pour ramasser les balles, en fait, personne ne reste à cette distance. Tout le monde piétine aux alentours des 10-15 cm qu'il va y avoir. C'est à peu près deux têtes de putter qu'il peut y avoir, qui tient entre le bord du trou et le trou. Et généralement, fin de journée, vu que tout le monde est passé par cet endroit, on a des petits dômes qui commencent à arriver. Et c'est pour ça que le dosage, donc, effectivement, doit être légèrement plus... intensifs par rapport à un début de journée. Parce que sinon, les balles vont arriver au dernier moment, voire tendance à... Voilà, esquiver comme ça au dernier moment. Donc là, il y a une compétition qui est passée juste avant, donc c'est aussi pour ça que tes balles peut-être ne s'échappent au dernier moment. Aussi. C'est uniquement pour ça, d'ailleurs. Donc voilà. Pour le dosage, pour en revenir, Flo, ce que je disais par rapport à ça, c'est que vous voyez, donc sa balle, lorsqu'il est venu doser, la balle n'a pas tapé le bord opposé. Ça, c'est très bon signe. Ça nous donne en fait la vitesse de roule optimale. En fait, lorsque la balle tombe, il faut qu'elle tombe à partir du point d'entrée
Voilà, faut pas qu'elle tape le bord opposé. En fait, pour maximiser l'espace dans le trou, soit en première partie ici, soit éventuellement sur cette partie-là, mais à partir du moment où elle commence à rentrer en contact avec le bord opposé, c'est que le putt commence à être un chouïa trop fort. Ouais. Voilà. Donc pour résumer, Chris, dosage. Dosage, priorité, toujours dosage. Au dosage, et peu importe le niveau. Et quand on est loin, on accepte de prendre 3 putts, la preuve. Ça arrive, fichier. Parce que les stats chez les pros, de toute façon, c'est autant c'est... de chances de 3 putts que de 1 putt. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. On va faire la petite finalisation. Pourquoi tu fais pas dire avec moi? Je t'esquive. Trop, le gars est trop focalisé sur le centrage. Ouh. C'est bon. Bon, vous voyez, hein, mine de rien, juste pour un des petits putts en compétition, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la tête. Ouais. Globalement, si on doit garder une priorité lorsque l'on arrive sur le green, hein, on fait notre quadrillage. On va chercher les informations, comme l'a fait Flo. On quadrille dans tous les sens. Ne restez pas focalisé que sur la balle, le trou. Prenez toutes les informations autour. Plus le putt est long, plus il est essentiel d'aller chercher les informations avec une bonne visée plongeante. Si vous êtes trop loin, vous allez perdre le visuel. On a des difficultés à estimer la distance. Et donc, il est intéressant d'aller à mi-distance comme l'avait fait Flo. Pour le reste, la priorité reste toujours le dosage. Donc, ouais. Un dosage épuré. Sur les longues distances, soyez pas trop exigeant. Allez chercher à chaque fois des distances, des zones de sécurité pour assurer les putts. Et puis après, bah derrière... Moi j'ai beaucoup de tchatché, Flo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, on a juste à accepter ce qui se passe au putting, ça rentre pas à tous les coups. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est la cible la plus petite au golf, en fait, je le trouve. Donc à la fois, quand on touche un fairway, on peut se permettre de dire « bon, je vais toucher un peu à droite, un peu à gauche ». Si on ne rentre pas un putt, ça peut vite casser un peu la tête parce qu'on se dit que c'est l'objectif réel. Alors qu'en réalité, si on prête attention aux statistiques, effectivement, on rentre peu de putts lorsqu'on est loin, très peu de putts, donc 2 putts, c'est bien en fait. Et la plupart des gens sont déjà très contents de prendre 2 putts. Et bien souvent, si on se trompe de direction à 5 mètres, on ne va pas prendre 3 putts parce qu'on leur a raté 1,50 m à droite. Ouais. On va prendre 3 putts parce qu'on leur a mis peut-être 1,50 m trop long. Donc je pense que la plupart des joueurs, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment focalisez-vous, votre dernière pensée au moment où vous allez putter, sur le dosage. Il n'est question quasiment que de dosage. Une fois que j'ai pris ma ligne, que j'ai quadrillé, il n'y a plus rien qui doit se passer dans ma tête, si ce n'est je la mets dans la vitesse que j'ai envie pour la faire rentrer, et basta. Et si ça ne rentre pas, ben je passe au suivant. Et puis encore au suivant. Et puis encore au suivant. Et puis 5 putts. Et puis ah, fais chier, j'arrête le goal. Et si ça rentre, c'est bon pour la stat. C'est bon pour les rentrer, pour aller à l'Heritage World Cup. À la finale, pour aller putter à Maurice. J'ai pas des mouches sur le truc. Comme d'hab, si ça vous a plu, allez, non, c'est bon, t'inquiète, c'est juste des petits moucherons là. C'est bon, ça vole. Comme d'hab, si jamais vous avez aimé la vidéo, on like, on partage, dites-nous en commentaire comment vous putez. Et allez si checker. C'est un secteur que vous aimez bien. Allez checker en lien dans la description les compétitions auxquelles vous pourrez participer. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ou à la finale. Ou à la finale. Ciao tout le monde.